c'est une petite révolution pour tous les Marquois, les stations de covoiturage. Bonjour. Vous allez où ? J'aimerais bien aller jusqu'au tram, vous pouvez me déposer ? Ouais, très bien, je vous déplace. Grâce à un simple logo, merci. Maxime repère les usagers qui peuvent l'emmener gratuitement dans un coin de la ville. Si quelqu'un passe dans l'instant, je peux me permettre d'attendre 2 minutes au lieu d'aller à pied, en fait. Et possiblement gagner, je sais pas, une dizaine de minutes, en fait. En quelque sorte, du stop organisé, une première en France. Ici, aucune application à télécharger sur téléphone. Uniquement 25 stations comme celle-ci qui permettent de circuler sur des trajets courts. Une alternative aux transports en commun pour désengorger la ville, surtout aux heures de pointe. Les gens, souvent, ne prennent pas les transports en commun parce qu'il leur reste systématiquement 1 km à faire, par exemple, à pied, ou 2 km à pied pour aller à leur lieu de travail. Et donc, ils prennent leur véhicule. Le premier objectif, c'est d'utiliser moins son véhicule. Le deuxième objectif, c'est de le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est aussi simple que cela. Une initiative écologique qui séduit déjà certains habitants. Je serais plus tentée de prendre par exemple des personnes âgées parce que j'ai par exemple ma maman qui se déplace difficilement. Elle a un bus mais assez loin de chez elle. Donc je penserais plus à des personnes âgées, à prendre des personnes âgées si j'en vois. Et devenir covoitureur est un jeu d'enfant. L'inscription en mairie n'est pas obligatoire. Pour les autostoppeurs, il vous suffit d'attendre patiemment dans les stations.